Et toi là, oui, toi qui me regardes là, n'hésite pas à t'abonner, espèce de couille molle. Toujours pas là. Putain, les mecs, hein. Bah, quand on parle du loup. Yo. Salut Skizzy. Salut Joe. Bien. Ouais, et toi? Bah écoute, ça va, hein. Ouais. Tu te demandes pourquoi je t'ai convoqué, peut-être, non? Bah, un petit peu, ouais, bah explique-moi. Ouais, hier soir, on est parti en soirée avec Bill. Ouais. Et ça a mal tourné, quoi. Ah bah tu m'étonnes avec Bill de toute façon. En fait ce qui s'est passé, bon surtout tu lui en parles pas parce qu'il est super vénère, mais vraiment très très vénère. Ah ouais. Il avait rendez-vous avec une meuf qu'il a rencontrée sur internet. Sauf que... Sur quel site? Sur Tinder. Et sauf que... Quoi Tinder. Je connais que Tindé moi après. Ouais enfin bref. Du coup, sauf que la meuf bah c'était un travelo. Non. Si. Sérieux? Du coup, il était super vénère et puis il a buté tout le monde. Quoi. Oh putain. Il a buté tout le monde, sauf que la maison, bah, c'était une maison qui appartenait à un chef de mafia. Quelle mafia? Hors mafia albanaise, c'est une autre mafia, je sais pas trop ce que c'est. Ah d'accord, mais, putain, encore. Et du coup, bah, le mec veut nous buter, clairement. Ah putain, il foutait vraiment dans la merde, les gars. Dès que je suis pas là, ça tourne mal, quoi. Sauf que du coup, comme t'es dans l'eau, toi aussi t'es visé par la mafia en fait. Voilà. Oh putain, mon enfoiré. C'est tout. Donc surtout, alors surtout, ne parle ouais. pas de cette histoire à Bill. Il est Pourquoi super vénère quand on lui en parle. Il a encore le travelot en travers de la gorge. Enfin, c'est ah bah, image putain, quand je dis en travers de la gorge. Non, le travelot en travers de la gorge, non, je me demande qu'est-ce qu'il a fait avec lui, hein, tu vois. Non, mais quand je dis en travers de la gorge, c'est. Enfin bref, on s'est expliqué. Bon, Bill va arriver. Enfin, moi j'ai compris ce que tu voulais dire. Non, excusez. Franchement, quand Bill arrive, voilà. Je compte sur toi, ok? Bon, écoute, j'ai essayé de lui tirer les verres du nez et je suis sûr que tu veux rien. Il arrive. Attends, j'espère qu'il va pas être super vénère parce que sinon, il va toujours sa kef. Il faut qu'on Qu'est-ce bute, qu'il pourra. Faut qu'on bute ce mec de la mafia. Putain, mais. De oh toute là façon, là eh. Texte, conduire ce mec. Non, mais, si de toute façon il me fait chier, moi j'ai pris une baston dans la gueule et c'est non, fini. Non, oh putain, là, mais. Il m'a fait chier autrefois. Tiens, en plus, il quitte la caisse. Bien joué, Bill. Oh putain, mais. Bill, putain! C'est qui est garé comme une merde ici là? Fais chier! Oh salut Bill! Eh hey, Bill! Qu'est-ce qui t'arrive? Putain! Qu'est-ce que tu fous là toi? Non mais Bill, calme-toi, t'as l'air zéref! De quoi? T'as l'air zéref! Énervé! Zéref quoi? Énervé! Mais quoi? Skizzy, n'oublie pas ce que je t'ai dit, Skizzy! Hein? Et pourquoi t'es énervé comme ça, Bill? Putain mais Joe, qu'est-ce qu'il fout là lui? Bah, en fait. Ah, je me casse! Mais non! Bill, j'ai Vas-y, besoin casse! De toi. Non mais Bill! Bill, écoute-moi, pourquoi ça va pas? Explique-moi. Ah, pour rien, laisse tomber. Mais explique-moi. Parce que je vois ta sale gueule, comme d'habitude. En non, plus, mais. Il y a des bouchons partout, regarde-moi ce bordel. Non, mais. Regardez-moi Bill, ce bordel là-bas. Bill, c'est bon. Eh, hey, Bill, quoi t'énerve pas. Pourquoi t'énerve? Oui, bon, ça va, je sais pas, non, pour rien. T'énerve. Qu'est-ce qu'on fout là, Joe? Est-ce que tu serais pas allé voir un travelo par hasard? Putain, non. Joe. Oui. Est-ce oui. que. T'aurais toujours un travelo à travers la gorge? Bah rien, Bill, je sais pas pourquoi. Non, c'est juste. Non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu lui as raconté? C'est une supposition, non, hein, non, que non, je non, fais. Rancha. Joe, qu'est-ce que tu lui as raconté, bordel? Bonne chance, okay, Joe. Ok, Bill, calme-toi, ok. Ok, Bill, je vais tout lui raconter. Je vais tout raconter hier soir ce qui s'est passé. Mais c'est pour la bonne cause. Mais t'es sérieux? Mais non, mais c'est pour la bonne cause, écoute-moi. Je croyais que t'étais mon pote, putain. Mais écoute-moi, merde. Tu sais qu'hier, t'as buté tout le monde là-bas? Non, presque tout le monde, mais pas tout le monde, non. Et sauf que cette maison appartient. Une mafia. Et le chef de cette mafia est complètement vénère, il veut nous buter maintenant. Ouais, et alors je vais le buter celui-là.
Il est où? Justement, c'est pour ça que je vous ai convoqué. Parce que on va aller faire un petit tour chez lui. Et ouais. On va aller le menacer, lui faire peur, quoi. Putain, mais t'as tout raconté à Skizzy, bordel. J'étais obligé pour le bien de la mission, mais après Skizzy... Putain, Skizzy, je t'avais dit de te taire. Eh, après les gays, le Travelo, bah dis donc, tu fais fort, Bill, hein. Non, non, Bill, rancha, Bill, rancha. Non, mais t'as les gars... Fais pas trop ton malin, Bill, tu fais pas ton malin. Tiens, arrêtez. Tu me fais chier, toi. Arrêtez, toi, tu me fais vraiment chier. Arrêtez, c'est bon, on a plus... Ah mais... Putain, mais... Oh, mais... Vas-y, mais... C'est bon, allez, putain, vas-y. Putain, mais toujours, ça tourne mal à chaque fois. Arrêtez, fais chier. Arrêtez, putain. Ah. Bon, écoutez, moi, je vais dans le magasin de flingues, et ouais. Quand vous aurez fini de vous battre, vous me rejoindrez, ok? Ça va, Bill, tu frappes fort maintenant, on dirait que t'es comme un gosse de 6 ans. C'est bien, ça progresse. Non, mais arrêtez... Allez, encore, je t'ai rien montré. Arrêtez... Putain. Ah bah, garde plutôt ça, va plutôt montrer quelque chose au trave, hein. Utilise ça. Bon, putain, mais venez vous équiper. Et en plus, là. Putain, mais oh, bon, vous me rejoindrez. Hein. Ouais, en plus, sur Tindé, quoi. Il y a des meilleurs sites que ça, quoi. Bon, putain, mais Joe, pourquoi t'as tout raconté, bordel? Fais chier. Non, mais fais chier. Bill, Skizzy, équipez-vous, merde. On a besoin d'équipement, d'armes, ouais. Ok. Équipez-vous. Moi, mais je pense qu'il faudrait plutôt un godmiché pour Bill. Bon, vous me faites chier, je vais chercher une canette, hein, vous me faites chier. Ah, je me casse. Oh là là. Bill, équipe-toi, bordel. Bon, une canette, allez, un petit soda, ça va me calmer. Non mais hey, Joe, ça te dérange pas finalement d'avoir un mec un peu aliéné comme Bill, quoi? Oh putain, continue pas, Skizzy, merde, c'est déjà assez dur comme ça de vous gérer. Ah, mais c'est bon, attends, le mec, s'il va vers les gays, vers les traves, il y en a qui se font se poser parfois, non? Non, y a pas de hasard. Non mais, vous êtes fatigants les gars, franchement. De toute façon, il est plus là, il s'est cassé ce con. Il est pas sérieux, Rohan, il est pas sérieux. Pourquoi il est encore là? Pourquoi on l'a pas encore tué? J'ai espèce d'enfoiré! Non mais... complètement taré. Mais Bill, j'étais devant. Viens là, espèce de raclure. Tu nous fais plus jamais. Putain, non mais Bill, putain. Descends là, sale enflure. Bon les gars, est-ce que vous pouvez vous calmer et est-ce que vous pouvez écouter un peu le plan, non? Putain, mais le plan avec le trave. J'aurais dû le buter, Britney là. J'aurais dû le buter celui-là aussi là. Elle s'appelle Britney alors? Si je le retrouve, Joe, ma parole. Si je le retrouve, je lui fais bouffer ses couilles. Okay, je te le dis. Ok. On cherchera plus tard si tu veux. Fais pas ça, Bill Brother. Alors, hello, I'm Britney. Non, putain, mais... Arrêtez, putain. Trop mal. Est-ce que vous pouvez écouter le plan, après vous serez libre de vous battre, de vous frapper sur la gueule quand vous voulez, ok? Vas-y, balance ton plan, là. Il faut qu'on y aille, n'a pas beaucoup de temps, parce que si les mecs viennent avant nous chercher, avant que eux, on aille les chercher, on est dans la merde, ok? Ouais, vas-y, allez. Bon, écoutez. Il n'y a pas vraiment de plan, on va aller chez eux, on va buter tout le monde. Je sais où est leur villa, je sais tout. Ok? On rentre en furie avec nos armes, on défonce tous les gardes jusqu'à temps d'arriver au boss. Une fois arrivé au boss, on le menace. Ok? Ok. Ouais, et les flics? On fait quoi après? Les flics, normalement, ils seront pas dans le coin à ce temps-là. Je me suis un peu renseigné, j'ai des potes un peu dans la flicaille, des pourris. Et voilà. Il n'y aura personne dans le coin. T'es sûr, Joe? C'est pas le coup du mec qu'on avait rencontré, le Slater là? Non, c'est pas avec lui? Non, c'est quelqu'un d'autre. Non, parce que ce mec là, il ne sent pas réglo, tu vois. On aura le temps, on aura environ 30 minutes. 30 minutes pour agir. 30 minutes. Ok? Putain. Est-ce qu'il y... Moi bien, tu te racures. Si tu parles de cette histoire à quelqu'un, je te bute. D'accord? Bah écoute, si tu veux, il y a des boîtes gays à qui tu peux te renseigner pour ce genre d'histoire. Moi j'en ai rien à foutre, moi je suis pas de ce bord là donc écoute. Super lourd, voilà. Alors tu la fermes, ok? Mais c'est toi qui l'as fermé, tu et casses toi, les couilles. Toi, la prochaine fois tu la fermes aussi, d'accord? Okay, okay, shit, okay, Bill, mais arrête de gonfler le monde, Bill, écoutez, c'est bon là. Non mais écoutez les mecs, il est 22h43, on va faire ça en pleine journée, ok? Bah du coup on fait quoi ce soir? On laisse Bill dans une boîte gay? Non, moi personnellement putain. Je rentre chez moi puis on se retrouve là-bas demain. Okay. Ah bah. Enfin, tu rentres chez moi, tu veux dire? Non. Parce que c'est aussi chez moi. Et on se retrouve où, Joe, en fait? À la villa. Je vous envoie les coordonnées. Ouais. On y va. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. Oh putain de merde. Les deux là, je peux plus. Eh putain, les bouchons. Bon, Skizzy, tu traverses? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une voiture pour ce con, là. Ouais, mais reste là-bas, casse pas les couilles. Qu'est-ce qu'on fout là, Joe? Oh, c'est bon, tu me saoules. Ah, putain, mais. Fumier, dégage. Arrêtez. Va te faire écraser. La ville est pas loin, les gars, la ville est pas loin.
Attends, t'as fait quoi hier soir alors, Bill? Ferme ta gueule! Ça fait une heure qu'on marche, putain Joe, qu'est-ce qu'on branle ici? Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on a fait hier soir, ce qu'on a mangé plus tard ou pas? Ouais. Qu'est-ce qu'on a branlé? Bah, je crois que toi, t'as branlé Britney. Mais les gars, arrêtez. T'as mis dégage! S'il vous plaît, franchement, dégage! S'il vous plaît, les gars, arrêtez. Bon, prenez vos armes et vous voyez ou pas là-bas? Vous voyez la villa là-bas? Ouais. Attends. Garde. Ouais. Ça! Non, mais ne pointe pas, putain, ce qu'ils y font, attention. Ouais, mais c'est bon, il y a une voiture. Derrière, Bill, derrière. Derrière quoi, la jouée de montagne? Non, mais Bill, derrière toi. Oh, désolé. Ouais. Il est con, regarde. En face, non, mais j'ai un problème. Ah oui! Ah ouais, ouais. Ok. Bon, ouais. Skizzy, tu restes tout seul, moi je pars avec Bill. Ouais. Ouais, reste Bill. Là, Skizzy. Ouais. Moi je fais quoi? Je reste pas là quand même. Non, mais tu nous suis, mais on n'y va pas tous comme ça, on sépare quoi. Ok? Ah ouais. On rentre par le grand portail, c'est clair? D'accord. Vous êtes prêts ou pas? Viens. Ouais. Je te suis, Joe. Ça y est. Attention de pas nous tirer dessus, Skizzy, par contre. Hein. Pourquoi? Parce que toi je te connais. C'est plutôt Bill qui nous tire dessus, hein, c'est abruti. Ils nous ont repéré, les gars! Tirez, tirez! De quoi? Tirez! Ça! Allez, vite, on rentre! Ah, le mal! On rentre! Putain, mais d'où ils nous ont repéré? On est loin là! Fais gaffe! Putain! Putain, comme des tarés en plus sur cette route! Ta gueule, Bill, les tirs! Putain! Ah! J'ai pas pris les bonnes chaussures en plus! Sniper sur le toit! C'est bon, je l'ai eu! Faites gaffe, sur le côté, c'est bon. Éliminé. Ok, faites attention. Qu'est-ce que tu prends, Skizzy, putain? Avancez, bordel. Ça tourne mal. Ah oh, putain, Joe, j'ai piqué le bagnole. Non. Là, y'a un gars. C'est bon, je l'ai eu. Vas-y, Bill, crève. Merde, non, c'est pas un gars. Pas de son, il habite là, le boss. Skizzy, fais gaffe. C'est qui? C'est le père de Britney qui habite ici? Je sais pas, peut-être. Il est riche, ouais. Ça doit être lui. T'as oublié le 06 de Britney ou quoi avant de partir? Skizzy, attends-nous, bordel. Ferme-la, Skizzy, ouais. Ferme-la. Attends, j'arrive, tranquillou. Bill, passe devant. D'accord. Fais attention là-haut. Je suis retourné en arrière. Attends, y'a un mec en arrière. Regarde ça. Putain, je vous ai trouvé, y'a un mec qui arrive en arrière. Tire pas sur les caisses, on sait pas ce que c'est dedans, ça pourrait nous péter à la gueule. Toutes les bagnoles qu'il y a, quoi. Putain! Viens toi, saloperie! Sors ta tête, espèce d'enfoiré! Tiens! Voilà, c'est bon. Faites gaffe, sur droite y'a des mecs. Ok. Putain, y'a plus personne, Joe, je crois. Si, en bas. Bill, en bas. En bas. On va de l'escalier. Ouais, descends, Skizzy, voir. Tiens! C'est bon. On y va. Et une belle pour Bill aussi. Je saute. Joe, on laisse pourrir ici, Skizzy qui est en bas, on laisse pourrir. Non, oh toi ta gueule. Venez, descendez. Il est là le mec, il est là. Attention, encore un mec là. Attendez avant de buter le boss. T'inquiète. Il est le là. Boss. Venez. Viens Bill. C'est attends, lui là. Je vais lui parler. Attendez. Attends. Fais attention dans ce qu'il dit, ne le touche pas pour l'instant. Ça, je fais une petite noche pour l'instant. Putain, espèce de raclure. Attends, c'est toi le pire de Britney. C'est toi Bill. Ouais, Britney, ouais. Laisse-moi lui parler deux secondes. Vas-y Joe, après je le bute. Ok. Ah mais du coup ça rien que je parle si tu le butes. Non mais parle d'abord, je le bute après. Parle à lui. Mais non parce qu'en fait je voulais le menacer. Elle est bonne sa... Branchette bon collante merde. Sa piscine. Mais attends, on le menace comme ça parce que comme mais ça non. Il va... On le menace. Ça servira après, il y a des caisses d'armes et des trucs là-haut. Ok. Putain mais Joe il a peur je crois. Ouais mais du coup on fait quoi? On le bute? Bon. Attends. Attends, on va le buter, ouais, on va faire un pierre feuille ciseaux pour savoir qui va le buter. Quoi? Tu crois vraiment que c'est le moment là? Ah ouais? Putain, j'aimerais bien savoir, putain, c'est vraiment son père ça! Et où Pierre? Vas-y! Écoute, Bill! Et où? Bill, ce que je te propose, c'est que Skizzy et moi on va s'éloigner un peu. Tu lui parles, ouais. T'essaies de savoir si c'est le père, ok? Ouais! Viens, Skizzy, viens. Nous on va poser les bombes collantes là-haut. Vas-y. Ouais, toi, espèce de petit fumier là! Oh, du coup, c'est moi qui ai buté toute ta petite fête là! Skizzy. Attends, oui, c'est moi! La piscine elle est bonne! Ah putain, mais Skizzy vient, bordel! Blablabla! Attends, j'arrive! Voilà! Pourquoi tu voulais nous buter? Pour aimer mes potes? Hein?
Et du coup, tu penses qu'il va se taper le père de Britney ou quoi? Alors, continue pas, bordel. Pose des C4. Je m'occupe des caisses du fond. Moi, je m'appelle Bill Murdoch, ok? On me fait pas, on me la fait pas, moi, d'accord? Ton fils ou ta fille, là, je sais pas ce qu'il branle. Il se déguise en fille. Et ça me plaît pas, et c'est tombé sur moi, espèce d'enfoiré. Non, non, tes prières, tes machins, tes trucs, là. Tous tes hommes. Voilà. Déjà, je vais te buter. Attends-moi de faire péter, hein. Hein? Hein? Comme ça, tu n'auras pas de te faire Attends, chier. attends. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton C4 là-bas? Mais t'es malade! Hein, quoi? T'inquiète, c'est Tiens! bon pour. Oh C'est bon pour putain! le C4? Bon, viens vite! Viens! C'est bon pour les caisses. Bill, ramène-toi! Mais foutez quoi les mecs là? Viens! Ramène-toi, Bill! J'arrive, Allez, j'arrive! Bill. Arrête de marcher, bordel! Putain, mais faut que je pisse! Non mais. T'es sérieux, Bill? Bill! On s'en fout, y'a plus personne! On a. Ah! Putain, mais avance, avancez, on n'a pas beaucoup de temps, les gars, arrêtez! Venez, y a des caisses à l'entrée, on va prendre des caisses. Ouais, cool. Venez, venez, venez! Et qu'est-ce qu'on fout avec ces caisses? Et On se casse! on va se barrer, et après, tu en fais ce que tu veux, si tu veux les revendre, tu les revends, je sais pas, maintenant, parce qu'on Ouais, n'est plus pas con. propriétaire. Bon, qui prend quoi? Je prends la bleue. Ok, tu prends quoi, Bill? Ouais, je prends la troisième, derrière. T'es sûr que ça va aller? Ouais. C'est puissant, fais gaffe, Faut hein. pas aller normalement. Wow! Putain, Putain! Ah! Putain de merde! Mais Bill, dégage! Ah, ça se conduit, ça! Wow! Ah! Putain! Putain, mais ça pète de partout, c'est quoi ce délire? Ah merde, j'ai voulu faire exploser Bill, j'ai raté. Putain, mais t'es con. Allez, avance! On te suit. Ah, On te on me suit, suit? Non, Skizzy. mais moi je le casse, on se revoit plus maintenant. Non, Ciao les gars! Skizzy, non. Ciao! Non, mais Skizzy, t'es sûr, Skizzy? Skizzy, remets ton Bluetooth, bordel. Merde! Putain, Joe! Remets ton Bluetooth, putain, mais. Ah, Vous êtes des banques, les gars. Joe! Vous êtes Il y a des vitesses! Putain, mais. Ah, j'ai pas l'habitude! Non, Il y a un levier de vitesse, Joe, comment ça marche? Je sais pas. Oh là là. Oh! Oh, puis merde. On Oh, se retrouve plus putain. tard, Bill. Oh! Putain, quelle bande de cons. Putain. C'est vraiment des connards, vous deux. Putain. Écoute, Skizzy, c'est pour mettre ton Bluetooth pour dire de la merde comme ça. Bon allez, je coupe le Non, Bluetooth. j'ai la Non simple mais c'est bon, vérité. je Mais coupe alors, le qu'est-ce Bluetooth. qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Tu prépares un truc, on se Qu'est-ce bat que avec les tu bagnoles, ok, je veux, revends. si tu veux revendre ta caisse, tu la revends, tu fais ce que tu veux. Ok, bon, au moins ça m'aura fait de la thune pour cette mission, quoi. Tu trouvais bien un mec? Bah oui. Moi j'ai les contacts. Ouais, moi Pas j'ai vous. sa caisse ici. Putain, les gars, j'ai fait un tonneau! Skizzy, qu'est-ce que tu fais ici, bordel? Bah, je viens t'écraser, tu crois quoi? Ah, c'est une blague. Bon, allez, ciao. Vachement drôle. Ouais, Bon, il y a encore le Bluetooth, les hein. mecs, je vous dis, je coupe le Bluetooth, hein.